Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette actualité du week-end dominée par ces informations. Sur ordonnance présidentielle, Jean-Jacques Moutombo Dikembe est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. C'est vendredi 11 octobre, l'on célèbre la journée internationale de la jeune fille axée sur la vision de filles pour l'avenir. Une fois de plus, merci d'être branché. Revenons sur le dossier du décès tragique de l'étudiante congolaise au Canada. Le couple présidentiel s'est engagé à soutenir la famille en attendant le dénouement des enquêtes en cours. Le gouvernement a entamé les démarches pour permettre le rapatriement du corps à Kinshasa pour son enterrement. C'était au cours d'un entretien que le chef de l'État a accordé aux parents d'Alexandra le jeudi dernier à la cité de l'Union africaine. Je ne vis que pour mon enfant. C'est une éprouvante nouvelle qui a consterné le pays entier et la communauté congolaise basée au Canada. Le décès tragique d'Alexandra Martine Diengo Lumbai, une étudiante congolaise de 21 ans, portée disparue depuis la semaine dernière, puis retrouvée morte dans une rivière, n'a pas laissé indifférent le couple présidentiel de son pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru, tous deux très abattus, ont voulu à travers ce geste exprimer leur soutien, à travers eux, la compassion de toute la République aux parents d'Alexandra, inconsolable et visiblement bouleversée face à cette perte inacceptable. Au-delà de la douleur, le président de la République a dit tout son attachement à la famille en détresse et exige que des enquêtes soient menées afin de lever le voile sur les causes de ce drame. Les géniteurs de la jeune Andrea étaient accompagnés par la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, Madame Chantalier Lumulop. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Dans un autre registre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement inauguré le jeudi dernier Silicon Village, un UHB d'entrepreneuriat et d'innovation promis par le groupe Texaf. Ce nouveau complexe est conçu pour soutenir le développement des petites et moyennes entreprises et des start-up ainsi que les grandes entreprises. Suivez. L'inauguration de Silicon Village à Kinshasa le mercredi 10 octobre dernier. En effet, le président de la République, Félix Tshisekedi, a officiellement coupé les rubans inauguratifs de Silicon Village, un hub d'entrepreneuriat et d'innovation promis par les groupes Texaf, situé sur une superficie de 600 000 m². Ce nouveau complexe est conçu pour soutenir le développement de petites et moyennes entreprises, des start-ups ainsi que des grandes entreprises. Ici est de noter que la RDC, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique traduit dans le plan national du numérique Horizon 2025 pour lequel plusieurs projets sont alignés dans le pilier 3 du programme du gouvernement, a expliqué la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Selon le ministre congolais de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Petentic en sigle, ainsi que du numérique, a indiqué qu'au nom du gouvernement congolais, ces projets s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui a des ambitions de faire du numérique un levier d'intégration des croissances économiques et progrès social.
Cependant, de son côté, Jean-Philippe Waterscott, directeur du groupe Texaf, a mis en avant l'engagement de son entreprise dans la croissance numérique du pays. Notons par ailleurs que Silicon Village ne sera pas limité à soutenir les entreprises locales seulement. Son soutien s'étend même à d'autres pays, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Sénégal. En définitive, retenons que Silicon Village est doté d'espaces énormes et d'infrastructures technologiques de la dernière technologie, avec une capacité d'accueil de 800 acteurs. Et ordonnance présidentielle en RDC, vous le savez certainement que Mutombo Polondo Dikembe Jean-Jacques, connu sous le nom de Dikembe Mutombo, est admis à titre posthume dans l'ordre national euro-national Kabila Lumumba au grand grade des grands officiers. Cette distinction, l'une des plus prestigieuses du pays, récompense l'engagement et l'impact de l'illustre disparu tant sur le plan sportif qu'humanitaire. Regardez. Admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier en République démocratique du Congo. Il s'agit de Mutombo Dikembe. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé l'admission ce mardi dernier à titre posthume de Mutombo Polondo Dikembe Jean-Jacques, connu sous le nom de Dikembe Mutombo dans l'ordre national euro-nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Notons que cette distinction est l'une des plus prestigieuses du pays en récompense de l'engagement et l'impact de Mutombo Dikembe tant sur le plan sportif que philanthropique. La nation congolaise a considéré ses mérites exceptionnels de l'intéressé. Pour rappel, retenons que cette figure emblématique de la NBA et quadruple lauréat du titre de meilleur défenseur de la Ligue est décédée à l'âge de 58 ans, dont le cancer du cerveau a eu raison de lui. Il était né à Kinshasa. Cependant, ce pivot congolais s'est imposé comme l'un des meilleurs et plus grands défenseurs de l'histoire du basketball. Par ailleurs, durant ses 18 années de carrière, Dikembe a porté les couleurs de plusieurs équipes prestigieuses. Entre autres, les Denver Nuggets, les Atlanta Hawks, le Philadelphie, les New Jersey Nets, les New York Knicks, pour ne citer que ceux-là. Par contre, au-delà de sa course sportive, Mutombo Dikembe est reconnu pour son engagement humanitaire, un grand acteur et défenseur de causes sociales en Afrique, notamment en RDC, dont la création de l'hôpital Biambamari Mutombo à Kinshasa. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement pour parler du speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui séjourne actuellement à Paris avec une forte délégation de députés nationaux. À cette occasion, il a eu un tête-à-tête avec son homologue français Yael Braun, privé autour de la diplomatie parlementaire et l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Tour à tour entendu les mots de bienvenue de Madame la Présidente qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis partement ces deux parlements s'approfondissent dans le cadre de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place. Mais surtout, elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques,
la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans ambages de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. D'un dossier à un autre, le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, a réussi dans son cabinet de travail l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, pour cette première visite de la diplomatie américaine. Les USA confirment leur engagement à accompagner le ministre dans ses priorités et redynamiser l'inspection des travail. Regardez. Le raffermissement de relations de coopération bilatérale entre Kinshasa et Washington dans les secteurs de l'emploi et du travail, en rapport avec les priorités du gouvernement Judith Suminwa, conformément au premier engagement pris par le chef de l'État relatif à la création de plusieurs emplois et la redynamisation de l'inspection du travail en RDC, ces deux questions ont été évoquées au cours des échanges fructueux que le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu jeudi 10 octobre 2024 avec Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. On a parlé de l'importance de protéger les droits des travailleurs, de renforcer le système d'inspection et assurer qu'il n'y ait pas des abus, surtout dans le secteur minier. Et je lui ai reconfirmé notre engagement américain ferme d'être un partenaire fiable avec le ministère. La diplomate américaine, qui était accompagnée de trois de ses proches collaborateurs, a par ailleurs salué la détermination du ministre Ephraim Akwakwa d'œuvrer pour le bien-être des travailleurs congolais. Je vois quelqu'un qui lui-même est très engagé, qui connaît très très bien le secteur, et aussi un défenseur des droits des travailleurs et aussi le bon fonctionnement de tous les systèmes de travail. Les deux personnalités ont aussi émis le vœu de voir plusieurs projets communs se matérialiser, notamment la lutte contre le travail forcé des enfants et contre les violences de tout genre dans les milieux professionnels. Arrivé au terme de sa mission en RDC, l'ambassadeur de la Russie en poste en République démocratique du Congo, Alexis Sentebou, a été reçu jeudi dernier à la Cité de l'Union africaine par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au centre de leurs échanges, l'évaluation et perspective de la relation diplomatique entre la RDC et la Russie. Suivez. Je suis arrivé au Congo le 10 octobre 2017. Et je quitte le Congo le 10 octobre 2024. Et donc on a échangé avec le chef de l'État sur les perspectives des relations russes-congolaises. Et moi je viens d'informer son Excellence Monsieur le Président des projets qui sont en cours d'être réalisés. En plus, je remercie le chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement des relations entre nos deux pays. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser pas mal de projets entre nos deux pays et c'était lui qui a rencontré premièrement dans l'histoire de nos relations bilatérales le chef de notre État, le président Vladimir Poutine, c'était en 2019 à Sotchi. Et dans un autre dossier, le procès en appel des assaillants et a tenté le coup d'État en République démocratique du Congo le 19 mai dernier à Kinshasa s'est ouvert depuis le jeudi 10 octobre dernier devant la cour militaire de Kinshasa Gombe à la prison militaire de Ndolo. Suivez. Sur les 51 personnes poursuivies pour tentative de coup d'État en RDC le 19 mai dernier au Palais de la Nation, siège de l'institution du président de la République, ce, après avoir attaqué la résidence de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale, jadis ministre de l'Économie, 37 ont été condamnés à la peine de mort, 14 ont été acquittés.
Parmi ces prévenus condamnés à la peine de mort figuraient Jean-Jacques Wondo, expert militaire travaillant avec les renseignements congolais, les sujets américains, Marcel Malanga, fils biologique de Christian Malanga, et deux autres jeunes nés aux États-Unis. Ces derniers ont qualifié ces jugements de politique et de peu motivés. Ils ont interjecté l'appel dans les légales, d'où le début d'une nouvelle instruction au degré d'appel le jeudi 10 octobre dernier devant la cour militaire de Kinshasa. Rappelons qu'après 3 mois d'instruction, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict le 13 septembre 2024. Ces personnes interpellées sont poursuivies pour les infractions de terrorisme, des détentions illégales d'armes et munitions de guerre, tentatives d'assassinat, d'associations de malfaiteurs, de meurtres et de financement du terrorisme. Et la vision des filles pour l'avenir est le thème retenu pour la journée internationale de la jeune fille ce vendredi 11 octobre 2024. Une thématique qui exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir pour la jeune fille. Pour Bruno Moukanya, expert en éducation, estime que les vacances doivent être significatives pour la jeune fille et sensibilise celle-ci à continuer ses études afin de pérenniser cette augmentation de filles à l'école. Suivez. Oui, c'est affirmatif. Aujourd'hui, le nombre de filles augmente dans nos écoles et surtout avec plus de campagnes de sensibilisation à la parité entre filles et garçons, l'égalité en milieu scolaire et 0% de la discrimination aussi en milieu scolaire. Cela nous donne des avancées significatives sur les statistiques de filles dans nos écoles. Et je vous dis, ça fait plus d'années que nous sommes en milieu scolaire comme étant éducateurs. Nous enregistrons plus de filles inscrites dans nos écoles que des garçons. Et c'est quelque chose que nous devons féliciter aujourd'hui par rapport au temps jadis. Alors pour que cet aspect reste le plus longtemps possible dans la vie, nous devons toujours continuer par la sensibilisation. Parce que les statistiques démontrent déjà que la majorité, bien même que les filles sont nombreuses dans nos écoles, mais il y a encore plus de filles aussi qui tardent dans des maisons. Alors nous devons plus augmenter les formes des campagnes, soit aussi à part les écoles qui sont comme le milieu éducatif qui sensibilisent déjà, l'État devrait mettre en place une autre équipe qui doit sensibiliser même de porte à porte pour que le fils s'enregistre, pour que les parents inscrivent normalement leurs filles comme les garçons dans nos milieux scolaires. Cet adage d'abord c'est très significatif. Vraiment parce que nous devons comprendre d'abord que l'éducation c'est l'émancipation de la jeunesse. Et surtout, quand vous éduquez une fille, la fille qui est bien éduquée est sensible aussi à l'éducation de ses enfants. Donc lorsque cela pourrait être de génération en génération, et vous voyez que c'est la naissance de toute une nation. Et restons dans ce même chapitre consacré à la journée internationale de la jeune fille. La présidente provinciale de l'Union congolaise de femmes de médias, UCOFEM en sigle, Kasaï Central, Élisée Lusamba Kayembe exhorte les jeunes filles à apprendre le métier du journaliste pour augmenter ses secteurs dans la dite province. Elle condamne toutes les antivaleurs et la mauvaise image de femmes journalistes. Suivez. Je saisis de cette opportunité en tant que présidente de l'UCOFEM ou directrice de l'UCOFEM au niveau du Kasaï Central pour interpeller toutes les jeunes filles. Elles sont nombreuses qui ont l'ambition de faire le journalisme. Elles sont nombreuses qui font de la communication leur science. Elles sont dans des universités, dans les institutions supérieures. Telles que Dieu nous a créées, avons une vision, avons un talent que nous devons exploiter. Alors, si toi tu te sens à l'aise de faire le journalisme, mais à cause de ce qu'on peut te rapporter, tu t'es dit, tu te décourages pour te dire, voilà, je ne fais pas la communication, parce qu'on m'a toujours dit que les filles qui font le journalisme sont des filles, excusez-moi les termes, des mœurs légères, par exemple, sont des femmes qui sont publiques. Quand on est public, pour une femme, pour une fille, ce n'est pas bon, tu ne trouveras pas le mariage, et d'ailleurs, le journalisme ne paye pas, c'est un métier qui n'a pas... Non. On vous trompe, chère jeune fille, embrassez le journalisme. Si c'est ça votre vision, embrassez le journalisme, travaillez, faites-vous former, participez dans des formations, efforcez-vous à travers des réseaux sociaux pour vous améliorer, à travers l'Internet, pour apprendre le métier, vous améliorer de plus en plus et être
cette meilleure journaliste. Dès lors que tu es cette meilleure journaliste, et c'est ce que tu devrais réellement faire dans ta vie, je vous jure, je te jure, chère jeune fille, tu n'auras pas commis une bêtise. Sport à présent, un but à zéro et les scores qui a sanctionné la troisième journée des éliminatoires opposant le Léopard de la RDC au Taifa Star de la Tanzanie le jeudi 10 octobre dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. La sélection nationale confirme son invincibilité à domicile et garde la tête du groupe H avec 9 points en 3 matchs. Espoir Kinavidi pour le compte-rendu. Devant son public et le premier sportif du pays, les Léopards de la République démocratique du Congo ont confirmé leur invincibilité au stade de Martyrs de la Pentecôte face à la Tanzanie de Bwana Ali Samata, ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Comme les léopards dans la forêt, devant sa proie, les Congolais n'ont pas réussi à faire la différence à la première partie du jeu, malgré quelques actions ratées dans les camps adverses. Et à la 57e minute de jeu, que la sélection nationale congolaise va créer la sensation, le capitaine Chancel Mbemba sauve la RDC d'une tête. Un but à zéro, score jusqu'au coup de sifflet final. Résultat qui propulse l'équipe nationale de la République démocratique du Congo au podium du groupe H avec 9 points en 3 journées, avec 4 buts marqués, 0 but encaissé. En bon père et sportif, les Léopards ont bénéficié du soutien du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au vestiaire. Donc vous savez que j'ai une ardoise pour la fois passée déjà. Ça vous l'aurez demain. Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain c'est fait, les deux ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de mardi. Vous êtes les meilleurs et vous devez vous comporter en tant que tel. Vous êtes la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo. Et vous êtes des vainqueurs, des gagnants. Et c'est ça que j'attends de vous. On est d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À mardi, on sera tous derrière, toute la nation sera derrière. Merci les gars. Revenons au dossier incident du journaliste sportif au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Réagissant à cette affaire, le sélectionneur des Léopards de la RDC appelle la corporation au calme. Suivez. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est passé. J'ai vu des images. Je sais qu'il y a des sanctions qui sont en cours. Et il faut simplement dire aux journalistes que de lui souhaiter un bon rétablissement s'il y a eu des soucis et puis que quand le soutien à 100% au même titre que tous les journalistes, parce que le football c'est tout ça, c'est des journalistes, c'est les médias, c'est les supporters, c'est les joueurs, c'est les coachs, voilà. Donc moi à mon niveau d'entraîneur, c'est ce que je peux vous dire. Malheureusement l'événement je l'ai pas vu. Je vais être sur le terrain, je sais pas, je l'ai pas vu. Je pense que si je l'aurais vu, peut-être je serais intervenu en disant de se calmer. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis que je suis arrivé, on a souhaité mettre en place des choses en termes de communication. C'est pas simplement pour l'image de la sélection, c'est aussi pour apporter de la matière pour que vous puissiez travailler. Enfin, c'est ça qui est important. Après, comme je vous dis, il y a une procédure en cours, j'ai vu des choses. Maintenant, il faut que chacun puisse aimer, pour le bon sens. Et puis nous, sans la presse de RDC, on n'est pas grand-chose. Et puis la presse de RDC, sans joueur, sans foot, c'est un amalgame de... Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la carotte? Complétez votre connaissance à travers cet élément que vous propose la rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique.
Elle régorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source des fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. La page météorologique à présent. Demain matin à Kinshasa, la température sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude, soit 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 5 km par heure et à l'après-midi, il y aura une forte possibilité de pluie. Sachez que la température atteindra 33 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, il faudra aussi s'équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température retombera vers 22 degrés Celsius. Et c'est ici que s'achève ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, le rappel des titres. Sur ordonnance présidentielle, Jean-Jacques Moutombo Dikembe est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grands officiers. C'est vendredi 11 octobre, l'on célèbre la Journée internationale de la jeune fille axée sur la vision de filles pour l'avenir. Merci infiniment à votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonne suite du programme chez vous. Au revoir.